Bonjour et bienvenue dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle femme qui pour moi a été un exemple et je vais vous la présenter tout de suite. Bonjour Danielle Osda, je serai dans ma zone de confort car c'est ma grand-mère. Comment vas-tu? Bonjour Kandou. Ça m'a fait plaisir quand même de converser avec toi pour cette émission. Oui. Je suis heureuse de parler avec ma petite fille. Très bien. L'aînée de mes petits-enfants. Alors, ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, effectivement, on se connaît, mais tu es là pour pouvoir offrir à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ton expérience avec Dieu aujourd'hui et savoir maintenant quelle petite fille étais-tu. J'étais une petite fille docile, sage, gentille, obéissante. Maman, qui était assez sévère, trouvait que j'étais trop obéissante, que j'étais trop docile. Donc tu étais une gentille petite fille. Ah si, j'étais une gentille petite fille. Et puis voilà, j'étais l'aînée. L'aînée de combien d'enfants? 6 enfants. Ah oui. 6 enfants. De 3 frères et 2 sœurs. J'avais une sœur cadette, 3 frères et puis ma petite sœur, la dernière. Donc tu as beaucoup aidé à la maison? J'étais la petite maman. D'accord. Ouais, je m'occupais de... Je corrigeais aussi mes petits frères. De temps en temps. Oui. Et ouais. Qu'est-ce que tu as appris comme valeur et comme notion importante à retransmettre, premièrement, à tes frères et sœurs? Bon, il faut, avec 3 garçons et 2 autres filles, il fallait avoir un esprit de support. Mm-hmm. Parce que ma sœur cadette, elle était très embêtante, si on peut dire. Elle cachait mes lunettes, elle faisait... Et il fallait quand même... En fait, c'est l'amour qui permet de supporter tout. D'accord. Comment dirais-je? De les aider, de les accompagner, de... Je ne me sentais pas quand même obligée, ni aigrie, ni rien. Je le faisais avec amour parce que c'était mes frères et que maman cultivait l'amour dans notre foyer. Voilà, c'est ça. Et, ouais. et en plus de cet amour, quelle autre valeur te souviens-tu avoir apprise de tes parents? Le respect. Mmh. L'obéissance. Il fallait... C'est pas qu'on pouvait discuter mm-hmm. avec maman, mais avec respect, mm-hmm. courtoisie. D'accord. Ça, c'était très important. J'avais un père qui était militaire de carrière en mm-hmm. plus. Il y avait la discipline. Mm-hmm. Il fallait tout ça. Moi, j'ai appris tout ça. Je crois que j'ai transmis ça à mes enfants, mm-hmm. mes propres enfants. Parce que dans mon foyer, je tenais à ce qu'il y ait du respect, de l'obéissance. On discutait. Mm-hmm. Il fallait quand même savoir pourquoi il fallait agir de telle ou telle manière. Mais il fallait d'abord obéir. D'accord, d'accord. Et puis après, je pense avoir été assez proche de mes enfants. Ils me le rendent bien quand tu es témoin de l'amour que me porte ta maman, tata et tonton. Donc tu as 3 enfants. J'ai 3 enfants, 3 merveilleux enfants et 5 merveilleux petits-enfants. Non, j'ai des enfants formidables. Et tu as su aussi transmettre à tes petits-enfants aussi également ces valeurs. J'espère, hein, Kandou? Oui. Pionnière. Ouais, et quelle expérience te souviens-tu avoir vécu avec Dieu, une expérience très marquante avec Dieu? L'expérience, c'est quand... Bon, quand j'ai travaillé, j'étais enseignante. Mm-hmm. J'étais enseignante, mais à l'école publique. Mm-hmm. On n'avait pas le sabbat. Mm-hmm. À un certain moment, j'ai dit, bon... Mais ma maman, quand même, était une femme qui était... Cette femme était formidable. Mm-hmm. Quand elle priait beaucoup pour ses enfants, elle me disait tout le temps, chérie, il te faut trouver... le moyen de revenir complètement à l'église. Parce que mes enfants y allaient, moi aussi, quand j'étais libre, mais j'étais pas vraiment là. Et puis, je me suis lancée, je suis allée voir mon inspecteur. Il m'a dit, Madame Osna, vous allez faire beaucoup d'argent et si vous faites la demande officielle, je vous donne tous les sabbats. Et ma directrice, qui était quand même
qui avait de la considération pour moi. Cette femme, elle était très bien avec moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle est allée voir le syndicat et elle leur a dit que Madame Ozan ne travaille pas le samedi. Ah. Et puis je lui dis, mais Madame la directrice, je peux demander qu'on me... Ça ne fait rien si on m'enlève cet argent. Elle m'a dit, mais Madame Ozan, je peux vous donner un sabbat. Je dis, non, mais je veux tous mes sabbats. Je ne peux pas accepter un sabbat. Et quand j'ai su qu'elle était allée au syndicat, je suis retournée voir l'inspecteur. Mm-hmm. C'est lui qui m'a convoquée. Je ne savais même pas. C'est lui qui m'a dit, Madame Ozna, votre directrice est allée voir le syndicat. Et on s'est rapproché de moi. Je lui ai dit, monsieur l'inspecteur, on va faire la demande. Il m'a dit, mais ça va vous faire perdre de l'argent. Je dis, ça ne fait rien. Mm-hmm. Je vais perdre de l'argent, mais je vais gagner ma paix avec Dieu, avec la vie spirituelle, ma conscience, tout, je serai, la foi. Voilà, je serai en paix. Vous êtes sûr? J'ai dit si, je suis sûr. Et Dieu m'a béni, On enlevait, chaque fois qu'on enlevait un samedi, c'était beaucoup, hein, c'est plus que ce qu'on. Quand on compte, c'est plus qu'une journée de travail. Je ne sais pas comment ils faisaient leur compte. Mais. C'est à ce moment-là justement que j'ai pu avoir ma maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai pu avoir l'argent, mon mari aussi n'a pas contesté. Il s'est plié à ce que je voulais et on a pu faire des choses. Oui, malgré le manque d'argent. Malgré le manque, parce que c'était pas un manque d'argent, mais il y avait un manque. Oui, oui, oui. Et Dieu m'a donné beaucoup plus. Beaucoup plus Oui, là j'ai vu la main de Dieu dans tout ce que je faisais. D'accord. Donc ça a été une expérience. J'ai pu payer les études de mes enfants, j'ai pu faire beaucoup de choses avec l'aide de Dieu, avec moins d'argent. Avec voilà. Moins d'argent, c'était pas tu as un, moins, ouais. un manque d'argent, c'était un moins d'argent. Et voilà. Tu as pu faire plus de choses. Beaucoup plus de choses. En reprenant ta vie avec ton sabbat. Oui. J'étais sereine, j'étais bien, j'avais la paix avec Dieu. Voilà. Très bien. Et du coup, avec ta maman, à cette période-là, comment ça se passait au niveau de la vie spirituelle? Je sais qu'elle a été un support. Un support, un soutien. Maman, c'était une femme de prière. Tout le temps, dès qu'on avait un petit truc, elle disait « allons prier ». On se retirait, même si c'était dans son atelier de couture, dans un petit coin, on priait. Et quand c'était chez elle, on se retirait dans une des chambres, on priait. Et puis elle avait toujours un petit mot gentil, un petit mot de réconfort. Même quand elle ne disait rien, Kandou, on sentait qu'elle était avec nous, ou bien qu'elle priait. Mais elle disait rien, mais on savait qu'on pouvait compter sur elle. Tout à fait. Ouais. Je me souviens qu'elle parlait des genoux, comme toi-même. Ouf. Les genoux usés. Je sais que quand mes enfants sont partis faire des études, j'ai usé mes genoux. Et elle disait que tant que les genoux ne sont tant pas que usés, les genoux ne sont pas lisses, c'est compris. Oui. Voilà. Ça, c'est maintenant parce que j'ai mal aux genoux. Je m'agenouille sur un truc, sur un coussin. Tout. Mais j'avais les genoux vraiment... Voilà. Donc la prière était très importante. Très importante. Vous avez pu voir aussi et expérimenter cette prière à ce moment. Ouais. Et puis elle était un exemple quand maman était couturière. À côté de sa machine, il y avait sa Bible et un livre d'Ellen White. D'accord. Pas toujours le même, puisqu'elle lisait. Quand elle était fatiguée, elle trouvait le moyen de lire sa Bible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne faisait pas ça le soir ou autre chose. Non. Mais là, quand elle avait un petit moment, elle sentait qu'elle avait besoin de communier avec Dieu, elle lisait sa Bible ou elle lisait le livre de l'Esprit de prophétie. Donc toujours cette étude et qu'elle t'a transmis également. Oui. Tu as des livres qui se trouvent où chez toi, par exemple? Mes livres, dans ma chambre. Seulement? Dans la chambre. Tu dis ça parce que tu sais qu'il y en a partout. Il y en a dans le salon, il y en a dans la cuisine. Dans la cuisine. Donc même si on est assis à table à la cuisine, on a un petit livre à côté. Oui, il y en a dans la cuisine, il y en a dans la chambre de ta maman, chez moi. La chambre de ta maman, celle de Tata, de la maman. Donc il y a des livres partout. Des livres partout, même dans les toiles, dans la salle d'eau. Oui. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Il est pour quelqu'un.
Ouais. Quelqu'un va le trouver, l'ouvrir et le lire. Ouais. Il y a toujours moyen de lire un livre. Voilà. Ouais. Ah ben écoute, merci beaucoup. On va faire une petite pause et nous retrouver tout de suite après avec les téléspectateurs. Ok. Nous sommes de retour dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur et toujours en présence de Danielle Osna. Alors, mamie, hein, on a vu que tu as vécu dans une famille très respectueuse de l'amour avec une maman très pieuse et qui a su t'inculquer des valeurs que tu as transmises à tes enfants et à tes petits-enfants. Mais moi, j'ai envie de savoir à quel moment tu as ressenti que tu devais toi personnellement t'accrocher à Dieu, cette rencontre personnelle avec Dieu. À quel moment c'est arrivé? Au fait, je suis née dans l'église adventiste. J'ai grandi dans l'église adventiste. J'ai participé à beaucoup d'activités, comme réciter des poésies. Ça se faisait beaucoup avant. Maintenant, je constate que c'est moins courant. Chanter avec les enfants, j'ai commencé en chorale très jeune, à 13 ans. J'ai été baptisée d'ailleurs à 13 ans. D'accord. Et puis, quand j'ai vraiment ressenti le besoin de m'accrocher, c'est quand j'ai eu des enfants et que j'ai senti qu'il fallait que je leur donne, que je sois plus accrochée à mon Sauveur pour leur donner l'envie de eux-mêmes s'accrocher. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est le moment où tu as intensifié, mais plus jeune, le baptême, c'est le moment où tu as rencontré Dieu, où étais sûre. Oui. À 13 ans, je voulais faire partie du peuple de Dieu. Voilà. À 13 ans, tu voulais faire partie du peuple de Dieu. Et tu savais que c'était lui qu'il fallait suivre. Oui. Avec une maman comme la mienne, qui nous inculquait les bonnes valeurs, le besoin de tenir la main de Dieu, ça ne pouvait pas être autrement. D'accord. Donc, en fait, c'était vraiment... elle vous avait transmis cette idée qu'il fallait avoir besoin de Dieu, pour continuer. Ouais. Très bien. Et tu as un texte que tu apprécies beaucoup. Est-ce que tu peux nous le citer? Pour moi, je regarderai toujours vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et ça a un rapport avec la prière également. Avec la prière, ouais. Il t'exaucera. C'est un texte que je dis tous les soirs. En me couchant, au moins le soir, parce que je le répète pendant la journée, mais le soir, je n'oublie jamais ce petit verset. Tu peux le reprendre. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Amen. Ouais. C'est beau, c'est très très beau. Et est-ce que tu nous as dit que tu étais institutrice et que tu as vécu une expérience avec le sabbat. Ouais. Mais mis à part ça, est-ce que tu as vécu des moments de spiritualité où tu t'es rendu compte que tu n'étais pas seulement institutrice, mais que tu étais aussi une chrétienne? À certains moments, tu devais transmettre ces valeurs à tes élèves également. Comment ça se passait? Et je pense que de par mon attitude... Parce que quand j'ai vraiment décidé, cette directrice qui m'avait dénoncée au syndicat, quand j'ai vraiment, qu'elle a vu que j'étais résolue et qu'on organisait des petites fêtes à l'école, pour Noël, pour la fête des mères ou des trucs comme ça, et elle disait aux collègues qui faisaient les courses, n'oubliez pas Madame Osna. Vous savez qu'elle ne mange pas n'importe quoi et qu'elle ne boit pas n'importe quoi. N'oubliez pas qu'il y a Madame Osna. Pensez à elle quand vous faites les courses. Ah oui. Ouais. Donc, tu avais quand même laissé des traces. Je pense que c'est mon attitude aussi. Ton attitude rendait témoignage. Oui. Et avec les élèves. Ça, c'est avec les collègues. Avec les élèves. Je ne parlais pas de religion. On n'a pas le droit de faire ça. C'était une école publique. Mais je leur parlais des valeurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, maîtresse, tu sais que ma maman ne me parle pas comme ça. Hein?
Je ne prêchais pas. Je n'avais pas le droit de prêcher, je n'avais pas le droit d'avoir des petits journaux, des petits matins. Mais je leur parlais des valeurs morales sûres, sans citer la religion. Sans citer la religion. Ouais. L'amour, le respect. L'amour, le respect, la discipline, la bienveillance, parce que le respect, pas de moi seulement, de leurs camarades aussi. D'accord. Parce que, ah là là, il y avait des trucs. Mais on dit que tu étais très sévère. J'étais ferme. Je préfère dire que j'étais ferme. Mais malgré tout ça, quand tu revois des élèves. Ils sont contents de me voir. Voilà. Ils rencontrent mes enfants. Ils disent voilà, et c'est la fille de la maîtresse. Ah, j'étais la maîtresse. Donc tu penses avoir laissé quand même des traces de ta vie chrétienne et spirituelle auprès de tes élèves. Ouais. Et tu as beaucoup voyagé aussi. J'ai beaucoup voyagé. Pour la musique. Oui. Donc ça a été aussi, tu as rendu témoignage, raconte-nous un peu. Oui, parce que même quand, j'ai pas toujours chanté dans des chorales, Voix Nouvelle était constituée de beaucoup d'adventistes, mais pas que des adventistes. Alors, quand on voyageait, il fallait bien que je me comporte comme une vraie chrétienne. Quand on me disait, et si on faisait ça, je dis, ah non, c'est sabbat, on chante le vendredi soir, mais si moi c'est sabbat, je ne vais pas n'importe où le vendredi soir. Voilà. Mais comme c'est pas avec le directeur, parce qu'il était quand même adventiste aussi, il savait. Mais les autres, certains trouvent toujours un petit, une petite faille. Il essaie de trouver une faille. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais avoir une conduite exemplaire, c'est peut-être beaucoup dire, mais une conduite qui ne fasse pas honte à Dieu. Et que tu rendes témoignage. Que je rende témoignage. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quel que soit. Pour moi, c'était très important. Mais c'est très très bien, mais en tout cas je te remercie pour ton partage, même s'il y a des choses que je savais déjà. Ce que tu as vécu avec moi quand nous. Voilà. Voilà. Donc je te remercie et je souhaite et j'espère que ton témoignage a également touché les femmes et les hommes qui nous regardent aujourd'hui. J'espère. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à ces femmes? De tenir la main de Dieu, de ne pas lâcher la main de Dieu. Et de vivre par la foi chaque jour. Parce que c'est en mettant tout ce que nous avons comme foi, comme confiance, comme en Dieu, parce que la vie n'est pas toujours facile. Si on oublie un instant qu'il y a Dieu, on peut glisser. Non, non. Il faut rester ferme en tenant la main de Dieu et en lui demandant la force de résister à tout ce qui pourrait venir entraver notre course chrétienne. Très bien. Donc, retenez bien, gardez toujours la main accrochée à celle de Dieu, qu'il renforce notre foi. Et puis moi, j'ai retenu également qu'il nous exauce de ne pas oublier de mettre nos genoux à terre. D'user nos genoux. J'espère que vous aurez retenu qu'il faut toujours garder la main de Dieu dans notre main, qu'il nous exauce, qu'on prie et qu'on soit sûr d'être exaucé et d'user les genoux par terre. Votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.